Bonjour à tous. Avant, les motifs de divorce étaient du genre infidélité, violence, prise en flagrant délit. Au jour d'aujourd'hui, on se trouve avec beaucoup d'autres motifs de divorce. Il y a la sorcellerie, il y a l'inceste. Ah oui, il y a les gens qui vivent avec les compagnons très très compliqués. Il y a certaines personnes qui vivent du genre que un monsieur dort avec sa femme la nuit. Quand il tapote encore, il lance la main, le lit est vide. La femme s'est déjà transformée en hibou, elle est déjà partie. Et ce qui est un peu marrant, c'est que quand une personne vient te dire je me sépare de tel, je divorce de tel, qu'est-ce que le monde va te dire? Qu'est-ce que tes amis vont te dire, tes frères et sœurs et la famille? Non, il pleut sur tous les toits, vous formez un très beau couple, vous avez les mignons enfants. Avant de dire que va supporter, pose-lui la vraie question que explique-moi tout, dis-moi tout, ouvre-moi ton ventre. Il y a des gens qui subissent la sorcellerie dans le couple, que tu es là comme ça, c'est ton compagnon même qui te mange. Ne me demandez pas que comment que il y a les compagnons sorciers et compliqués. Donc attention, quand tu te mets avec quelqu'un, il faut bien savoir, de temps en temps tu as de l'eau bénite, tu l'asperges de temps en temps. Parfois même quand tu veux faire le bado, tu te l'eau bénite autour. S'il arrive, fait comme ça, sans qu'un bain, si maniaque. Parce qu'il y a les compagnons compliqués, hein? On va bien beau se dire, blaguer, rigoler. Il y a les gens que tu arrives, ils peuvent même te vendre à 25. Il y a les compagnons qui sont prêts à tout pour réussir. La personne avec qui tu t'es associé, la femme que tu épouses, le monsieur que tu as épousé, c'est un hibou. C'est quelqu'un qui se transforme la nuit. Quand tu dors, lui, il a déjà porté les ailes, il est parti. Ses agissements le jour, tu ne comprends pas. Vous vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Lui ne fait que te pomper du pire. Tu t'en rends compte, tu te commences à te poser des questions. Qui est la personne même que j'ai épousée, si c'est mon propre ennemi que j'ai épousé dans la même maison? Parfois, c'est comme ça. Oh. Parce que quand vous voyez certains divorces ici, d'ailleurs, vous croyez que non. Quand l'homme te dit que divorce, non. Ouais, tu étais bien avec elle. C'est la mère de tes enfants. Vous formez un très beau couple. Vous avez les beaux enfants. Supporte pour les enfants. Tu sais ce que l'autre subit dans son couple. Il y a des gens ici qui se sont mariés avec les gens qui sont compliqués la nuit. Tu dors comme ça, tu te retournes, tu vois seulement l'éléphant couché à côté de toi ou le tan. Les gens se transforment dans les nuits, cela. Quand quelqu'un te dit je divorce, ça ne sert à rien de venir lui dire que pense aux enfants. Pense que votre couple était beau. Pense que quand il y a une personne arrive déjà en plein jour et te dit déjà que c'est chaud, je ne peux plus supporter, je divorce. Laissez souvent vos histoires que vous formez un beau couple, fais ça pour les enfants. Vraiment, tous les couples pleurent sur tous les toits. Tu sais ce que tu es sûr que si on te donne son mari ou son épouse, de dormir, de passer juste une nuit, c'est comme si tu as passé la nuit dans le cimetière. Le genre que tu dors dans la maison, tu entends les murs trembler. Il y a beaucoup de motifs de divorce.